Bonjour, bonjour tout le monde et bienvenue à votre émission À l'affût. Au menu aujourd'hui, une sortie de pêche à l'esturgeon jaune avec Berkane Corban et Samuel Hébert. Et un petit peu plus tard à l'émission, notre reportage technique avec Vincent Cloutier sur les fameux bancs pour pouvoir pêcher confortablement en chaloupe. Alors, c'est toujours un plaisir de retrouver mon co-animateur de toujours, Vincent. Salut Vincent. Salut Sylvain. Hey, depuis quelques semaines, on entend parler que les gens sont contents de notre nouveau décor, de belle affiche à l'affût, et également de nos oiseaux fétiches oui. qui sont en plein cadre. Alors, par la bande, je veux t'en parler un peu. Ce sont des lagopèdes, hein, les fameux lagopèdes qui sont des genres de galliformes, des genres de même famille que les perdrix et les tétras, etc. Sauf que c'est un oiseau nordique, hein, c'est un oiseau qui vit dans le nord. Ce qui arrive avec le lagopède, ben la chasse en est permise, c'est sûr, mais quelquefois, à toutes les 5-6 ans à peu près, il y a un genre qu'on en observe un peu plus. C'est comme si la reproduction avait été abondante dans le nord, en plein été, et que plus que l'hiver commence à s'installer, plus que l'oiseau a tendance à descendre. Pour lui, le sud, ben, c'est nous autres en plein cœur de l'hiver. Donc, l'oiseau descend au sud, mais attendez, le sud, il ne vient pas dans la région de Montréal ni de Québec, là, mais on parle ici de la région du lac Saint-Jean, la région de Chibougamau, au sud de la baie James, donc accessible par route pour n'importe qui. Ouais. Donc, on décide, si on a un véhicule bien en ordre, évidemment, parce qu'on peut frapper des températures de moins 25, moins 30 à peu près, on monte en véhicule chasser le lagopède des saules. Lagopède des saules, un oiseau tout blanc qui se confond dans la neige, c'est absolument incroyable. C'est une boule de watts dans un banc de neige. Fait que finalement, tu la vois pas. On voit l'œil noir. On voit l'œil noir et on voit le bec noir également. Ce qui fait qu'un chasseur qui est aguerri au niveau visuel, ben, parcourt les chemins forestiers à la recherche de ces oiseaux-là, qui souvent sont grégaires. Souvent, ils sont en groupe. Je connais des amis qui, c'est une véritable religion, ils vont chasser ça l'hiver, en raquette. Chaussent les raquettes, ils voient une piste de lagopède dans la neige, parce que ça a des gros doigts là, pleins de grandes plumes pour bien marcher sur la neige comme des raquettes, et les suivent à la trace. Évidemment, on parle de gélinotte, on parle de perdrix. Oui. Vincent, tu vas être d'accord avec moi qu'habituellement, un oiseau, ça chasse avec un fusil. Oui, souvent 410. Fusil calibre 20. C'est ça, exactement. Puis on essaie de viser à la tête, ouais. pas trop plomber la falle, etc. Mais savais-tu, le lagopède a une réglementation un peu particulière au Québec. Au lieu d'en avoir le droit d'en abattre 5 par jour, comme une gélinotte ordinaire ou un tétra, chez le lagopède, on a le droit d'en abattre 10 par jour okay. pour une possession de 30. Ce qui fait que lorsque tu montes, par exemple, en expédition de 3 jours, ça peut t'en faire une dizaine par jour, puis tu reviens avec tes 30 lagopèdes, si l'oiseau est présent, évidemment. Ben moi, j'ai poussé l'audace dans mes expéditions de lagopèdes, que j'ai délaissé mon fusil, et je m'amène ma petite 22. Oui. Avec un télescope qui me permet, par exemple, de viser juste la tête. Bon, si je la manque, tant pis, je repars en raquette à la recherche de d'autres lagopèdes. Par contre, je suis capable de faire une chasse intéressante. Si, par exemple, après ma première journée, j'ai ma limite de 10 lagopèdes, ben là, je relève un peu plus le défi. Je sors ma deuxième 22 et tu remarqueras que j'ai seulement des mires ouvertes. Là, c'est tout un défi. Mais quelquefois, la mire ouverte, hein, on shake un peu, on tire debout, on est en raquette, on est dans la neige. Alors, je me procure ce qu'on appelle un fameux bâton de tir. Ouais. Et je viens directement à côté, ma petite 22 sur le bâton. Et savais-tu que c'est assez stable? Hein? C'est surprenant. Oui, ça peut servir aussi de bâton de marche. Exactement. Vu qu'on est d'un endroit qu'il y a de la neige, puis on est en raquette, on veut... Parce que souvent, on a le pack-sac, l'arme à feu, on est chargé un peu, les raquettes dans la neige folle. Fait que, en tout cas, au cœur de l'hiver, informez-vous, il y a même un groupe Facebook sur la chasse aux lagopèdes pour nous dire un peu où sont les oiseaux en province et on va vous souhaiter une belle expédition. Nous, c'est déjà tout pour notre reportage. C'est déjà le temps de notre reportage pour la pêche à l'esturgeon jaune avec Berkane Corban et Samuel Hébert.
aujourd'hui, je suis venu avec Samuel pour pêcher une espèce de poisson de fond qui est l'esturgeon jaune. On est présentement dans le fleuve Saint-Laurent à la hauteur de Lévis, plus particulièrement à la hauteur de la mille Lévis. Ce qu'on veut essayer, c'est de prendre l'esturgeon jaune, mais à la ligne morte. C'est une technique qui est assez simple. Ça va être une technique avec un plomb, avec un avançon, un hameçon et un verre qu'on va laisser dans le fond. Aujourd'hui, j'ai invité Samuel à venir faire cette expérience-là. Ouais. Pour moi, ça va être une première pêche à l'esturgeon. J'ai pêché beaucoup avec Berkham, la Chigan, le Doré. Mais là, on n'avait jamais eu l'occasion de pêcher ensemble l'esturgeon. Donc, il m'a invité pour passer l'après-midi avec lui. J'espère qu'on va avoir des belles touches, des beaux combats. Parce que Berkham a toujours dit que l'esturgeon était un poisson assez combatif. Donc, j'ai hâte que ça amorce sur nos lignes rapidement quand on va se mettre à pêcher. Il faut savoir aussi, c'est que l'esturgeon, il faut essayer d'être patient quand on veut le prendre. C'est un poisson qu'on va laisser la ligne dans le fond. Puis vous allez voir, on va peut-être se déplacer un peu à travers la journée. Mais on a à peu près 2-3 heures devant nous là, de pêche. Fait qu'on se croise fort les doigts pour en prendre et en même temps, bien, de vous partager ces moments-là ensemble. Oui, elle ne touche pas trop la canne, toi. Vas-y donc, ramène-le tranquillement. En tirant. Ça, tu tires de quoi? Oui. Tu l'as? Oui. Là. Oh, oui! Je garde ça derrière. Attends que tu sortes de l'eau. Parfait. Oh, c'est un esturgeon. Ouais, non, c'est une barbue. Dommage. C'est un gros gros barbillon. Fausse alerte. Bon, on avait espoir que ce soit un esturgeon jaune, mais on a attrapé une belle barbue. La barbotte est également un poisson de fond, comme l'esturgeon jaune du fleuve Saint-Laurent. C'est un poisson qu'on prend quand même assez régulièrement dans le fleuve. Il est présent à toute l'année longue quand on pêche. Ça fait quand même des beaux petits combats, des bonnes sensations. Maintenant, on va remettre ça à l'eau. Maintenant, je vais vous expliquer, vous montrer un petit peu le montage qu'on va utiliser aujourd'hui pour pêcher l'esturgeon. Ça va être un montage avec un plomb coulissant. Donc ça permet à l'esturgeon de prendre l'appât qui est des vers de terre, manger tranquillement, partir avec l'hameçon tranquillement, puis finalement il va se ferrer tout seul. Ça, c'est un plomb coulissant. On voit ici sur le côté, vous avez un trou. C'est un plomb qu'on utilise nous aujourd'hui de 4 onces. Le courant n'est pas trop fort, mais si on aurait plus de courant, un plomb de 5 à 6 onces aurait été très très utile. Donc ça, c'est le principe du plomb coulissant. Donc si le poisson mord, il va partir avec le fil et le plomb ne bougera pas. Le poisson va sentir aucune résistance quand il va partir. Nous là, on laisse partir et puis nous on fait la résistance avec notre moulinet, notre canne. Puis là, quand on sent la touche, on vient ferrer tout de suite très fort. Ensuite, on va servir d'une petite perle. Elle va venir à côté sur le nœud qu'on va faire sur la graffe tout à l'heure. Ça va éviter que le plomb accroche le nœud puis qu'il brise notre nœud finalement. Par la suite, après le plomb et la petite perle, on va venir installer une agrafe. Elle va venir servir de stopper au niveau du plomb. Et pour finir, on va mettre l'hameçon cercle. C'est un hameçon 2-0. Donc on les appelle hameçon cercle. Il est profilé beaucoup vers l'intérieur. Ça va servir quand ça pique l'hameçon. L'hameçon est toujours piqué sur le côté de la bouche. Et puis, il sort, ça reste pris, ça se décroche très, très rarement. As-tu quelque chose, Samuel? Ben, j'ai une belle touche, là. Je sais pas, on prend son temps tout le temps. Oh, vous direz que oui? On dirait que oui. On va essayer de faire voir. Eh bien, non! C'est dans le fond. Fait que l'esturgeon jaune, c'est un poisson préhistorique qui date de plusieurs millions d'années. C'est un poisson aussi que pour le niveau de maturité sexuelle pour la femelle, c'est pas avant 15 ans, puis même jusqu'à des fois une vingtaine d'années avant de pouvoir pondre des œufs. Puis c'est un poisson qui a une espérance de vie pouvant aller jusqu'à 100 ans. Sachant ça, on sait que c'est un poisson qu'on doit préserver et protéger.
Et c'est pour la raison, c'est pourquoi on peut juste garder un esturgeon par pêcheur. Ici, dans la zone 21, dans le fleuve, la limite là, de taille, c'est entre 80 cm et 130 cm qu'on peut garder. Plus petit ou plus gros que ça, on doit faire de la remise à l'eau obligatoire. Le sturgeon jaune, lui, là, sa principale nourriture, c'est beaucoup de mollusques. Il mange des sangsues, des écrevisses, il peut même manger des menées. Mais c'est vraiment tout ce qui est dans le fond. Il y a des petits barbillons. Fait que c'est un poisson qui va venir goûter les aliments ou les chercher au niveau des odeurs. Également, le sturgeon, il faut savoir qu'il y a une bouche en forme de ventouse. Fait que c'est une bouche un peu cylindrique qui aspire les aliments qu'il va manger. Donc, il n'y a aucune dent. C'est pour ça que quand on va prendre l'hameçon, bien, il faut faire attention aussi pour avoir un hameçon qui vienne vraiment bien piqué, bien affilé, parce qu'autrement, ça va glisser de la ventouse quand on va arriver pour ferrer. Pour terminer, bien, il faut savoir que l'esturgeon aussi, il y a des mécanismes de protection, dans le sens qu'il y a une peau, mais vous allez voir, il y a vraiment là, des plaques osseuses là, qu'on voit bien là, sur le dos du poisson. Et ces plaques-là, là, il y a des lames presque similaires à des lames là, de rasoir qui viennent couper quand on y touche. Fait qu'il faut faire attention quand on le manipule dans ce contexte-là. Fish on! Wouhou! Je l'ai senti mordre là, tout de suite que j'ai ferré. Peut-être un esturgeon parce que ça tournoie pas. La barbou ou la barbotte va tournoyer, tandis que l'esturgeon a normalement tendance à se promener de façon linéaire. Pour l'instant, ça ressemble à ça. Ça va falloir que tu sors le filet, ça s'en vient. Ça, si ça en est un, je vais être bien heureux. C'est assez lourd. Ah oh, oui. Oh, ça a l'air à tournoyer. Quand ça fait ça comme ça, c'est du tournoiement. Si on regarde le sillon de ma canne, ça ressemble à de la barbue. Dommage. Ouais, une très grosse barbue. Regardez, si on est capable de voir, là, elle tournoie sur elle-même. Fait que son mode de défense, là, c'est de tourner comme ça. Une très, très grosse barbe. Merci, Samuel. Grosse barbue. Quand on fait notre lancer, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on laisse tomber le plomb dans l'eau jusqu'à temps que le fil finisse de dérouler. Une fois qu'il a fini de dérouler, on ne ferme pas tout de suite le moulinet. Ce qu'il faut faire, c'est venir supporter notre canne à un endroit fixe. Comme là, moi, j'ai des supports à canne dans mon bateau. Autrement, on peut trouver quoi que ce soit dans le bateau qui fait que la canne ne bougera pas. Une fois que la canne est immobilisée, il faut ramener le fil tranquillement pour enlever le lousse jusqu'à temps qu'on ait une petite tension. À partir de ce moment-là, il faut vraiment déposer la canne, la laisser déposer, puis on attend que le poisson vienne mordre. Une fois qu'on a tendu notre fil de pêche, on se met à surveiller le sillon, le bout de notre canne. Notre indicateur, c'est vraiment quand le sillon commence à faire des petits déplacements délicats, subtils, comme ça. On voit que ça baisse, ça lève tranquillement. Même si le sturgeon est un gros poisson, il ne faut pas s'attendre à des attaques farouches, il faut s'attendre à de quoi de très subtil. À ce moment-là, il faut prendre la canne délicatement et on ramène la tension jusqu'à temps qu'on sente le poisson ou la tête du poisson. Et à ce moment-là, on ferre. Il faut peut-être des fois attendre 1 à 2 secondes, des fois 5 instants, mais ça, c'est à force d'en prendre dans la journée qu'on sait de quelle manière il faut ferrer ou attendre le ferrage. Berkham, dans le fleuve, on peut s'attendre à quoi comme taille et poids de poisson des sturgeons? Bien, le sturgeon jaune, en moyenne, là, la grosseur, c'est entre 70 et 120 cm. Fait que c'est vraiment, si on s'attend à prendre quelque chose, on est dans la moyenne. Si on prend plus gros que 120 cm, on est dans le gros. Puis en bas de 70, on est dans ce qui est petit. Tes plus beaux sturgeons que tu as pris dans le fleuve, ça ressemblait à quoi?
Moi, j'ai pris, le plus gros que j'ai pris, c'est 1,50 m sur le fleuve. On était deux à le tenir là, pour prendre la photo. Tu imagines la grosseur? Ouais, j'ai déjà vu même beaucoup plus gros, presque 6 pieds. À la surface de l'eau, on était proche de l'embarcation, puis ça a fini par décrocher. J'en ai déjà eu aussi qu'on a suivi pendant une demi-heure en bateau, sans réussir à le prendre. Finalement, ça l'a lâché. Quand je dis suivre pendant une demi-heure, c'est le poisson qui se déplaçait avec une canne pliée, puis qu'il décidait lui où ce que j'allais. Okay. On est rendu en fin de journée, on vient de terminer notre pêche après notre 3 heures d'essai. On a réussi à prendre 2 grosses barbottes, une chaque, moi et Samuel. Toutefois, l'esturgeon n'était pas au rendez-vous. Peut-être qu'il était là parce qu'on s'est fait plusieurs fois voler nos verres. On a eu nos boutillons de canne qui ont bougé, mais on a manqué le ferrage. Ce qu'il faut savoir, c'est que des fois, le ferrage doit être instant quand ça bouge. D'autres fois, il faut attendre un certain laps de seconde. Là, on n'a pas trouvé le pattern, malheureusement, mais on a eu du plaisir. Oui, cette pêche d'après-midi nous prouve que la pêche à surgeon reste une pêche quand même assez difficile. La patience a été vraiment de mise, hein, c'est certain. C'est pas une pêche qu'on est habitué. On est habitué de faire une pêche active, à se déplacer sur le fleuve. Si ça ne marque pas une place, envoyer une autre place. Et surgeon, c'est vraiment pas ça. Il faut rester et puis à s'armer de patience, ancrer et pêcher. Effectivement, parce qu'à ce moment-là, si on ne se déplace pas, qu'on attend, on se déplace un peu au courant de la journée, mais c'est dans les environs de la place où on sait qu'il y a des surgeons. Autrement, c'est difficile d'en prendre. Puis il faut penser aussi que c'est une pêche qu'on pourrait prendre plusieurs heures, pas 3 heures, mais presque une journée si on veut en prendre. Toutefois, quand on tombe à un endroit où c'est productif, on peut en prendre plusieurs là, sans problème, là, sans difficulté, mais il faut être capable de le localiser, il faut s'assurer qu'il morde pour savoir que l'endroit est productif. Mais ouais. C'est pas arrivé dans notre cas pour l'instant. Souvent, quand on pêche le doré, on voit l'activité en surface. Les esturgeons, c'est un poisson qui saute beaucoup, beaucoup hors de l'eau. Puis on n'en a pas vu aucun pendant l'après-midi, là. Donc peut-être qu'on n'a pas trouvé le bon secteur de pêche non plus. Puis quand tu parles des esturgeons qui sautent de l'eau, un bon moment propice pour changement de marée. Quand la marée est haute ou est basse, vous allez voir, c'est le fleuve tombe létal. Quand ça dit létal, c'est que le courant n'est plus là, ça ressemble à un lac, puis on voit énormément les esturgeons sauter. Fait que vous pêchez ou vous êtes juste en observation, portez attention à ce phénomène-là de changement de marée pour voir les esturgeons venir à la surface sauter. Bon. Sur ce, Berkham, merci. Merci Samuel, puis on vous souhaite de rester avec nous puis de demeurer surtout à l'affût. Et quand on dit que la pêche, là, faut pas que ça soit trop facile, sinon on y retournerait pas, ben, on a un bel exemple. C'est pas parce qu'on veut attraper une espèce en particulier qu'elle va être au rendez-vous. Ouais. Hein? C'est ça la pêche, c'est incroyable. Puis d'un grand plan d'eau en plus. Ben oui, mais il y avait de la bonne technique. Oui. Si on veut attraper de l'esturgeon, c'est exactement la façon de faire. Poisson de fond. Puis... Poisson de fond, exactement. En tout cas, merci de la patience. Ouais. On a vu quand même des poissons. Oh, 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 ouais. Ça a été très agréable comme reportage. J'ai acquiescé un petit sourire, Vincent, quand tu as apporté ton matériel, parce que moi, irréductible, je me dis, à la pêche, on essaye d'être minimaliste, de pas trop s'encombrer de matériel, mais c'est plus fort que moi. Quand j'ai découvert ça, je peux plus m'en passer maintenant. Ouais. Surtout lui, ce modèle-là, on va dire un modèle très portatif, qu'on peut l'utiliser à plusieurs sauces, là, qu'on aille... notre propre chaloupe ou une chaloupe, si on va d'une réserve phonique, d'une pourvoirie, on emporte notre banc. On peut y donner plusieurs positions pour exactement. Le dossier, si on veut dormir ou pas, on va le dire demain. Mais moi, là, le gros avantage que j'ai, c'est que ça me repose le dos. Oui. Parce que tu es tout le temps là sur ton banc de chaloupe, tu fais de la traîne ou tu fais du lancer. À un moment donné, il y a une fatigue qui s'installe. Être capable de s'accoter sur un petit dossier, ça fait toute la différence. Puis t'as pas trop mal aux fesses. Pas trop mal aux fesses. On peut s'en servir aussi pour la chaloupe, mais pêche hivernale, on est souvent assis sur une chaudière de 5 gallons. Oui, on va le dire c'est vrai, c'est vrai. On est capable de mettre ça sur notre chaudière. Il y a 2 belles pochettes en avant. Pourquoi les pochettes? Ben s'il fait froid, ben des petits hot pads, on se garde. Ah oui, donc... Ah, puis c'est pour te garder le postérieur au chaud. Oui, on peut se garder. C'est donc bien génial comme idée. J'avais pas pensé à ça. Et ah ben. Quelques personnes l'utilisent aussi comme banc d'estrade. OK. À cause du...
en dessous du banc, on a comme des attaches velcro, fait qu'on peut les utiliser comme banc d'estrade pour aller voir du sport extérieur. Crime, c'est bien pensé. Puis pour le remettre à zéro, ben on le pousse au fond et on le recouche. Fait que ça pas dur à transporter. Mais ça, on parle ici d'un banc full confort. Oui, un petit peu plus de confort, dossier rembourré, une armature de métal. C'est sûr que si on emporte ça dans une pourvoirie ou quelque chose, une sépac, ça a tendance plus à glisser sur le banc. Oui, parce qu'il n'est pas fixé. Il n'est pas fixé. Il y a des attaches universelles qu'on peut mettre sur le banc qui vient serrer chaque côté. Okay. Fait que notre banc est attaché sur une attache. Donc, on peut. Il ne glissera pas. Puis il y a toujours un. Je vais appeler ça en terme anglais, un swivel. OK, un genre de dispositif pivotant. Là. Pivotant. Ça marche. Donc, si on veut tourner, c'est quand même facile. C'est fait pour ça. Même chose si on a notre propre chaloupe. Oui. Puis on veut mettre ça, mais on ne veut pas. Quand on se promène du point A au point B, que notre banc de chaloupe soit à l'extérieur, et brûle au soleil ou peu importe, il y a toujours des adaptateurs qu'on fixe sur la chaloupe. Ça reste toujours sa chaloupe. On arrive avec notre banc qui est fixé sur notre adaptateur swivel qu'on met à l'intérieur ici. Qui glisse et qui se clip là. Ouais. Ah, oui. Quand on fait de la route ou... on veut entreposer notre chaloupe. On fait juste enlever notre banc. Juste ça reste sur la chaloupe, sur notre banc. Mais ça, pour ça, il faut avoir notre propre embarcation. Oui. Mais l'idée de ton adaptateur en accordéon qui se fixe sur à peu près tous les types de bancs, je trouve ça intéressant. Quelqu'un, par exemple, qui change de lac, qui n'a jamais à peu près la même chaloupe, donc ça permet de s'ajuster à peu près tous les bancs des chaloupes existantes. Toutes les bancs de chaloupe existants. Puis là, on a... Il y en a plein de modèles. Là. Il y en a que le dossier est plus haut, les couleurs. Écoute, il y en a une panoplie. Là. J'aurais pu en emporter. Mais avec l'adaptateur, c'est des vis papillons chaque côté. On est capable de fixer sur notre banc et que ça ne glisse pas et qu'on soit confortable pour faire du plus long de pêche. Ben c'est ça. Quand tu mets ta chaloupe à l'eau, là, puis que t'es là pour une journée de temps, des fois, c'est commode d'avoir un peu les fesses confortables, se reposer le dos. Je trouve que c'est une superbe invention. D'ailleurs, je me suis fait prendre au jeu depuis que j'ai essayé ça. Je peux plus m'en passer maintenant. Je n'ai même acheté un deuxième pour mes invités parce que je trouve ça trop génial, être confortable à la pêche. Merci beaucoup, Vincent. Très intéressant. Bien oui, j'espère que cette émission vous a plu. C'est déjà tout en ce qui nous concerne. On remercie, comme à l'habitude, nos collaborateurs, Berkham, Samuel, Vincent également, qui était avec nous. Et nous, bien, comme toujours, on se dit, on reste à l'affût.